Salut tout le monde, c'est Sifano et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Spyro the Dragon. Oui, je sais ce que vous allez me dire. J'ai oublié de rajouter le troisième œuf la dernière fois, bah décidément ça devient une habitude. Toc, c'est bon, c'est rajouté, excusez-moi. Ça m'arrive comme ça. Bon bref, on va essayer de pas faire de bourde aujourd'hui. On se retrouve donc dans le monde des Pacifiques, qui est le nouveau monde que nous avions découvert la dernière fois. Je vous avais demandé un petit peu en commentaire si vous préfériez le monde des Pacifiques ou le monde des artisans pour le moment à première vue. Ça a été assez partagé. Je dirais qu'il y a eu une petite majorité de monde des artisans, mais vraiment très minime. Oui, évidemment, je retue tout le monde, hein, vu que je viens de Morocco au jeu. Mais je dirais qu'il y a une petite majorité de monde des artisans, mais ça a été très minime. C'était surtout par groupe. Par moment, il y avait beaucoup de gens qui disaient monde des artisans, après beaucoup de gens monde des pacifiques. J'aurais peut-être dû mettre un sondage pour vraiment savoir. Mais bon, à mon avis, c'était quelque chose comme du 45-65. Hein. C'était extrêmement serré. Et vous étiez par contre... Ah, bah lui, nous a montré ses fesses, ça y est. Ce que je vous disais la dernière fois. Hop. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que vous étiez tous unanimes pour dire que ce jeu, en termes de décor, commençait effectivement à se montrer très varié. Et croyez-moi, vous n'êtes pas du tout au bout de vos surprises. Évidemment qu'il va y avoir une partie, je dirais... comment on pourrait dire ça, ressemblante à la zone principale dans cette zone, évidemment. Parce que c'est... Ok, il s'est fait dégommer par son pote. Parce que évidemment que... qu'on est dans le monde des Pacifiques, il faut respecter une certaine logique. C'est grosso modo, ce sera quand même assez varié, je pense. Alors aujourd'hui, on va commencer le premier environnement. Ah oui, alors du coup, petite remarque comme ça. Je m'excuse si certains me l'ont dit et je l'ai peut-être raté. Mais c'est vrai que vu qu'il y avait beaucoup de commentaires me disant quel monde ils préféraient. J'ai pas franchement vu de commentaires me disant comment avoir le coffre derrière. Je réessaye, mais... Donc, je sais pas s'il y a moyen de le baisser ou pas. Je pense pas que je l'ai eu, là. Donc, je sais vraiment pas s'il y a moyen. Je vous le redemande aujourd'hui, si vous savez comment casser ce coffre... Dites-le moi s'il vous plaît parce que c'est ce qu'il me manque, il me manque les 5 derniers joyaux pour avoir tout dans la zone maison. Voilà, donc je vous le redemande aujourd'hui parce que c'est vrai que au final avec tout ce entre guillemets spam de préférence, je n'ai pas su. Donc voilà. Alors, aujourd'hui on va commencer le premier niveau quand même, Dry Canyon, je sais pas si c'est le premier mais c'est en tout cas le premier qui nous tombe sous le nez. Et on va essayer tout avoir, que ce soit les joyaux, les œufs ou... les dragons, évidemment. On va essayer tout avoir. C'est parti. Alors. Total de joyaux, 1195, effectivement. Faut que j'actualise ça aussi. Bien, alors. Ouais. Zone assez différente, vous le voyez. Assez sympathique. Alors, déjà, on va checker. Il y a un œuf, 400 joyaux et 4 dragons. C'est de la zone bien badass, hein, je veux dire. Pas de la merde, on se fout pas de nous. C'est de la zone bien badass. Alors déjà on vérifie qu'il n'y a pas le petit piège là. Est-ce que là-dedans il y a quelque chose? Pas mal ces cactus qui... N'importe quoi, je vous jure. Alors ouais, après ça part par là-bas. Ok, alors on va commencer par ça si vous le voulez bien. Yeah! Un petit joyau jaune, ça fait toujours plaisir. Alors eux, ils se protègent. Donc faire attention à eux. Ah oui d'accord, c'est des joyaux bien badass là qu'on me donne. C'est 400 mais... Mais 400 qu'on va avoir... Ou moins rapidement, je sais pas. Hop. Alors foncez dessus s'ils ont un bouclier, c'est toujours la manière la plus simple de s'en débarrasser. Hop. Oh tiens, le petit gars à l'œuf il est là. Alors on va s'en charger juste après, vous inquiétez pas. D'abord on récupère les joyaux. Hop, voilà. Ça se passe bien pour moi. Alors le petit gars à l'œuf, où il est? Il est là. Mais une fois qu'il a démarré, c'est toujours un petit peu embêtant. Une fois qu'il a démarré, c'est toujours un petit peu embêtant. Pour le rattraper, c'est la galère. Moi, je dirais qu'il faut limite... Ah non, voilà, là, il s'est arrêté. J'aurais dit qu'il fallait limite passer par l'autre côté, le prendre à revers. Mais bon, là, on s'en rapproche, donc ça devrait aller. Est-ce que vous pensez qu'on va l'avoir? J'attends le prochain tour. Là, on souffle. Voilà, c'est bon. 4 œufs. 4 œufs sur 12. Mine de rien, c'est vrai que ça...
ça s'enchaîne les œufs. Donc je pense bien le noter, vous inquiétez pas. Y a pas de souci. On va aller ici. Bon bah ça je m'excuse si. Je sais pas si c'est une impression. Peut-être que je dirais, mais j'ai l'impression d'être totalement endormi. Ça s'explique par le fait que je me suis réveillé il y a pas si longtemps. Je me suis dit, j'étais motivé à aller tourner du Spyro. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir la voix un peu cassée encore. Ça doit surtout être ça. Wow, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Casse-toi, toi. Donc voilà, excusez-moi si je suis peut-être pas pétant de forme, mais non, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Alors, boum. C'est moi ou on est quand même en train de faire un viol intersidéral de joyaux, là? Alors, attendez, parce que là, ça monte. Là, il y a un dragon que j'avais oublié. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ce truc-là, ça peut pas se casser. Non plus. Ok. Bon, on va sauver le dragon. Hein. Alors, Conan. Merci de m'avoir libéré. De rien de t'avoir libéré. Pardon. Et 20 dragons, ça y est, 20 dragons. Je sais pas combien il y en a en tout. Je me demande s'il y en a pas genre 100. Vu que dans ce jeu, on aime bien les chiffres ronds. Bah, vous me direz, c'est pas vrai pour les... C'est pas vrai ce que je vous dis en fait, parce que quand on regarde les œufs, il y en a 12. Est-ce que les œufs, il n'y en aurait pas 3 par monde? Parce qu'on en avait 3 dans la zone monde des artisans, 3 ici. Est-ce qu'il y a 4 zones en tout? Je sais même plus, il me semblait qu'il y en avait 5 ou 6. Bon, je vais pas dire bêtises, il y en a peut-être 4 ou 5, je sais pas. Je saurais vraiment pas vous dire, peut-être 4 principales plus la dernière zone qui signifierait celle du boss. Je sais pas, vraiment, je préfère pas vous dire de bêtises. Juste ici, non, le corbeau il a disparu. On verra, de toute façon, on verra. Comme je vous ai dit, hein, ça va pas être mon let's play le plus long, même si je le fais à 100%. Au final, je me suis décidé, je vous le ferai à 100%. Parce qu'il est pas très compliqué, honnêtement. Faut prendre son temps, mais il est pas très compliqué, donc je vous le ferai à 100%. Die, bitches! Voilà, hop. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est la vie qu'il y a là. Est-ce que j'ai moyen? Non, c'est pas par là. Ok, il y aura un autre chemin de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ok, j'ai plus de... C'est magnifique. Et j'ai failli mourir là, je sais pas si vous avez vu. Si je m'étais pris le boulet de canon, j'étais mort. Ah là là, ça y est, ça commence. Ok, il me faut Sparks tout de suite. J'irai récupérer les joyaux après, mais il me faut Sparks tout de suite. Alors, on va revenir au début, enfin à la zone la plus proche où il y a des poulets. C'est fou comme quand tu t'habitues à Sparks, comme c'est plus possible de t'en passer. Aïe. Non, il n'y a pas. Je crois que le petit escalier ramène au même endroit. On vérifiera ça. Voilà, là-bas il y en a. Non, là-bas il y en a, je les vois. Ah non, je les vois pas. Mince, il me semblait qu'il y en avait. Là, il y en a. J'ai entendu le même bruit que la vie là. Ah ouais, bah en termes de chemin, ça doit être ça. On va prendre l'autre escalier pour voir où ça nous mène. Ici, il y a quoi? Pourquoi je crois qu'ici, il y a quelque chose? Peut-être parce qu'ici, il y a quelque chose. Non. Genre un mur invisible ou quelque chose. Nanana. Oula, un dragon ici. Je sais pas si ça mène exactement au même endroit ou pas. Ça m'en a tout l'air. J'en ai marre de me faire faucher par ces corbeaux. Ok. Ok, génial. Oh, 25 le joyau rubis. 25, bah dites-moi, c'est pas mal. Ah ok, alors là c'est la fin. Donc non, en fait, c'est pas du tout par là. Mais par contre, bah c'était cette vie-là qu'on entendait. Là, on est au-dessus du spawn. Hop, donc on va d'abord passer par là, on reviendra ici à la fin. Mais, voilà, on récupère ça. Voilà, c'est pas mal. On en a combien là? 1 sur 4 en termes de dragons, mais les dragons je les ai vus où ils étaient tous. D'ailleurs je suis passé à côté d'un dragon que je n'ai pas... Ouais c'est bon, là mange le papillon. Que je n'ai pas récupéré tout simplement parce qu'on va y repasser. On va y repasser, je sais pas si vous avez vu subtilement mais il y avait un passage qui rejoignait. Lui je suis sûr que c'est un passage qui rejoint pour le coup. Voilà hop, et alors... On revient ici, franchement j'adore ce jeu.
Je saurais pas dire pourquoi je l'aime autant, mais l'ambiance et tout. Et alors quand on fera le 2, les amis, mais pour moi le 2 ça reste... Mais honnêtement, peut-être dans le top 5 de mes jeux préférés, hein, c'est à ce point. Hein. Ce jeu est magnifique, le 2. Ça c'est vraiment énorme quoi. Alors... Ivor. C'est toi Spyro ? Tu es ce jeune dragon dont j'ai tant entendu parler. Lorsque tu n'étais encore qu'un petit cracheur de fumerolles, nous savions... Quoi donc ? Je ne me souviens plus. Certains ont relevé que dans cette zone, les dragons avaient un côté un petit peu plus mature, c'est tout à fait vrai, je trouve. Mais, genre, pas forcément plus mature, mais plus... un petit peu ancêtre, vous voyez ce que je veux dire ? Genre... Il faut un peu ancêtre, c'est vrai. Ok, il y a une clé à récup et à aller chercher là-bas. Très important, ça. Il faut qu'on passe par où ? Par là, voilà. Et de là, normalement, je devrais pouvoir planer là-bas. Le souci est que pour ça, il va me falloir la clé. Sinon, ça va s'avérer un petit peu inutile. La clé n'est pas par là. Là, j'ai l'impression de voir des ennemis en hauteur, moi, là. Ah non, c'est des drapeaux. Ok, ok, autant pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aïe ! Ah oui ! Je me souviens de ces trucs. Bon, ok, j'ai pris des dégâts, mais je me souviens, c'est trop bien. Oh ! Sérieux ? Ça va recommencer. Pourtant, je saute en haut de mon saut pour pouvoir planer sur une plus longue distance, comme il était dit. Mais je pense que c'était peut-être pas faisable de là. Par contre, d'ici, ça doit être beaucoup plus faisable. Oui, beaucoup plus faisable, oui, effectivement. Hop, thank you. De là, c'est toujours pas faisable de rejoindre. Non, clairement pas. Donc, on va passer par là. Par contre, il me manque cette foutue clé. Vous allez voir que la clé est dans la zone, dans l'autre zone. Ce serait vraiment pas étonnant. Je serais pas étonné du tout. Hein. Hop, attendez, je suis désolé. Ah bah non. Mais ça valait le coup, pour le coup ça valait le coup d'aller voir. Accroche-toi, voilà. Donc, pardon. Donc, let's go. Hop. Vas-y, fais-moi un petit feu d'artifice, s'il te plaît. Bien, bien, bien. Alors... pas comment la voir cette foutue clé. Alors regardez où on est là. Vous reconnaissez, on était venu par là. Eh oui, vous reconnaissez. Mais on va passer par là parce qu'on n'y était pas encore allé. Ah ouais, mais j'ai pas moyen d'y aller en fait pour le moment par là. C'est pas un peu genre la zone secrète ce truc ? Il y a la clé à côté du dragon. Ok, alors comment on y va, je ne sais pas. On va pas rentrer à la maison, vous inquiétez pas. Enfin... on va indéniablement y aller à un moment, mais pas tout de suite. Comment je vais là ? Ça démarre ici, j'ai l'impression. On va tester. Ok. Donc c'est pas par là. C'est là. Ok, donc pour ça va falloir passer du coup. Allez, oh, j'ai plus Sparks, sérieux. J'ai plus Sparks quoi. Par là ça passera jamais. Par contre par là ça peut passer, je pense. Testons. Ah non, ça passera pas non plus par là. Oulalalalala. Par où je dois passer là pour avoir ça? Ouais, vous sentez déjà que le niveau est plus compliqué et moins linéaire, moins simpliste que dans les précédents? Que dans les précédents épisodes? Vous le sentez? Ouais. Enfin, que dans les précédents niveaux. Je sais pas où faut passer. Ouais, ouais, c'est par là. Donc, on te libère, toi. Tu as sauvé Boris. Dry Canyon récompense ceux qui savent voler. Tu es bien fort en vol. Hein, Spyro? J'ai ça dans la peau. Bah oui, alors, donc, dis-moi la suite. Donc, de là, ça passe, oui, de là, ça passe. Crème. Hop là, voilà, parfait. On en a combien ?
3 sur 4, machin, machin, c'est bon. Hop, casse-toi, merci. J'aime bien parce que tu sens que tu fais le... Merde. Yeah, hey, beau gosse. Tu sens que tu fais le bon... t'avances parce que tu prends les joyaux et tout au milieu. Bref, c'est sympathique. Alors, toi, le dernier dragon de cette zone, Maximos. Superbe vol, Spyro. J'ai cru que je n'arriverais pas à me débarrasser de ces vilains vautours. Ils sont assez repoussants, mais grillés à la flamme avec une petite pincée de sel, ils sont délicieux. Ok, alors deux choses. Déjà, lui, il me sort ça maintenant, qu'on a tout fait. Et l'autre qui me dit, ah, le concours de vol, machin, je fais oui, et donc juste derrière, je devais juste planer, mais à part ça, tout va bien, j'avais juste pas compris. C'est pas grave. Donc, maintenant qu'on a la clé, ah, faut se retaper le tour. Maintenant qu'on a la clé, donc, bon, on va pouvoir aller, je pouvais passer par le chemin, pouvoir aller chercher le coffre. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Ok, ça va, j'ai ma vie, tout ça. Je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Parce que, en gros, quand j'ai voulu sauter de là pour aller sur la marche, au début je voulais faire ça. Et je me suis souvenu que 5 minutes avant, je m'étais planté, j'avais perdu Sparks. Donc j'ai voulu dévier au dernier moment et je me suis planté comme une merde dans l'eau. Et oui, ça arrive. Que voulez-vous, on a masse de vie, c'est pas grave. Petit fail de gameplay, c'est toujours sympa, c'est toujours marrant. C'est... Voilà. Donc, les amis. Ici, maintenant, je vais pouvoir aller chercher ce que je cherche. À savoir planer là-bas. Donc pour planer là-bas, par contre, parce que là si tu tombes, c'est pas une libellule que tu perds, hein, c'est une vie directe. J'aimerais éviter de quand même les gâcher trop. Ouais, par là ça passe largement. On va essayer de faire un beau saut, genre largement ça passe limite, je trouve, quand même, hein. Ça passe quand même limite. Hop. Voilà, ça tu le mets. Normalement, j'ai rien loupé, hein, avec ce qu'il y a là. Ouais, ça va, ok. Il y en a 25. Là, il va y avoir quoi? 1, 2, 5. 1, 2, 5. C'est bon? Yeah! 400 sur 400, 4 sur 4, et l'œuf de dragon. Nous avons tout. On peut partir d'ici. Une zone qui nous aura pris. Ouais, qui nous aura pris quasiment tout l'épisode. Non, c'est pas par là. Je m'étais pas rendu compte qu'on avait passé autant de temps dans cette zone. Mais vous voyez, ça y est, les zones commencent à devenir bien longues. Ça dépend lesquelles. Mais celle-ci, ouais. Elle aura pris son petit temps, le temps d'être faite entièrement. Je pense pas qu'on va attaquer une nouvelle zone, là. Honnêtement, vu que les épisodes font entre 20 et 25 minutes, on en est à 20. Vous voyez les temps que me prennent les zones. Vous me direz, si on peut faire, au bout d'un moment, on peut faire un épisode d'une zone, c'est pas mal en termes de rythme. Non pas que j'ai pas envie d'avancer, mais c'est déjà bien, quoi. 1595, bien. Bah pour les 5 dernières minutes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait réessayer. Peut-être. C'est foutu canon. Aïe. On pourrait réessayer ces foutus canons, mais... Là, ça passe pas du tout. Rigoler, mais avec le... On peut faire un truc comme ça, sinon. À un moment, ça va bien le toucher. Peut-être pas. Ok, là, ça passe même plus. Bon, je pense franchement pas qu'on l'ait touché. Mais bon, allons voir ça. On l'a pas touché. Ok, je sais vraiment pas quoi faire pour lui, honnêtement. Je crois pas qu'il y ait moyen de le baisser. Et il n'y a pas d'autres canons, c'est ça qui est spécial. Parce que ce sera un peu embêtant, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autres canons. Si, il y a d'autres canons, mais...
ça c'est où, pose-toi, merci. C'est juste pour éviter qu'il me tape. Il y a d'autres canons, mais est-ce que lui par exemple... Attendez, refais de voir. Je vais voir si ça passe en fait. Ça passe pas. Non, ça passe pas évidemment. Ouais, bah écoutez. Vous me répondrez la prochaine fois. D'accord ? On va faire ça comme ça parce que là, effectivement, je sais pas. Je sais pas. Ça m'intrigue de plus en plus. Pour moi, il faut pouvoir baisser ce canon, sauf que... Attendez une seconde. Non, je sais pas. Il y a peut-être une technique que je vois pas, je suis bigleux, vous allez avoir envie de m'égorger sûrement, mais... Non, pour le coup, c'est chelou. Parce que ça s'ouvre pas... Ma foi! On trouvera bien, il n'y a pas de problème, on trouvera bien au bout d'un moment. De toute façon, on a encore du temps dans cette zone, mais... Je me fais pas de soucis pour ça, pour qu'on trouve ça, je me fais pas de soucis. En tout cas... On va s'arrêter là donc pour cette vidéo. Sympa. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir pourquoi depuis le début ça tire comme un malade en loin, au loin, même celui-ci qu'on avait essayé, pourquoi d'un coup là il vient de me doser le truc. Je veux pas savoir. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, et à la prochaine. Ciao tout le monde.